C'est joli en plus. On le soutient. Hein. Ouais. Et on enlève la lie qui reste au fond. Ouais. Au fond de la barrique. Au fond de la barrique. On enlève ce, ça, c'est très jaune, c'est mauvais quoi, le cidre quoi. C'est un dépôt. D'accord. Et avec celui-là, on fait la labée. Et le site, autrement, ne conserverait pas, il serait très amer si on le laisserait ce truc là-dedans, dans la brique. On fait ça deux, trois fois. Jusqu'à il n'y a plus, quoi, que le site s'est fait vraiment. Et là, une fois en bouteille, il sera bon à consommer réellement au bout de combien de temps? Il faut qu'il repose, c'est ça? Deux mois. Ouais, ouais, ouais. 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 Ça dépend de la chaleur. C'est, oui, s'il fait chaud, il va mousser assez vite. Assez vite, oui. Mais il y a le muselé dessus, donc il n'y a pas de danger. Comment vous faites pour le vérifier, alors? Hein, on ouvre la bouteille. C'est la seule solution, et on goûte. Ouais. Il y a un densimètre. Donc, quoi? Vous voyez la densité, si je comprends. Il y a de la... On va faire la rince. Non, juste un sourire.